Salut à tous, c'est Zatoshi de Zunicho et aujourd'hui je suis en compagnie de Tsunade-sama. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Aussi, donc on revient sur Gear of War Judgment. Donc on est sur One, mais c'est un jeu 360. Voilà, c'est un jeu rétro compatible. Donc on va attaquer ça tout de suite. Sachez qu'on peut jouer en hop, dans cette campagne ou survie. Ou attends, bataille pardon. Donc c'est en ligne. Comme tu veux, le temps qu'il faut qu'on se reprenne un peu. Voilà, les campagnes. On part sur. Challengement. Nouveau. Hein. Allez. Est-ce que tu veux jouer avec d'autres joueurs à 4 avec des gens qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'il y a encore des gens qui jouent pas avec qui? Oui, je pense, j'ai vu qu'il y en avait deux dans le monde tout à l'heure. On a un peu de chance. Mettons voilà, en vétéran. Parce qu'il ne connaît pas les tapettes. Oh non, on l'a fini, on va en dément celui-là. Tu mens? Non. Ah, tu mens? On l'a fait en dément celui-là. C'est non, tu mens. Non, non. Allez. Un convoi avait besoin de fusils. Nous avons été désignés volontaires. Ça ne s'annonçait pas comme la mission la plus excitante d'Alvaubert. Ah ! Je vais brûler de l'avance ! Ce n'était pas censé l'être, lieutenant. Ah oui, donc, tu te rappelles, il y avait Ah, putain. Ah, il faut juste les armes pour les choisir aussi. Flèche de droite, flèche de gauche, les armes, flèche de gauche, c'est quand même. Tu te rappelles, il y avait ce système d'étoiles, voilà, qu'on voit sur l'écran de Tsunade en bas. Et le but c'était d'avoir 3 étoiles hein, dans chaque. Ouais, c'était sympa, mais ça. Ça dépendait combien de trucs que j'allais faire, j'avais dans la tête. Flèche de base, c'est. On a dit tout à l'heure qu'on avait fait. J'ignorais ce que c'était, mais ça avait l'air de foncer droit sur notre convoi. Nos villes tombent les unes après les autres. Et le commandement n'a aucune idée de qui ou quoi est responsable. Eh bien, colonel, je crois que je le sais. Ah, c'est vrai que pour le cas, je pense que c'est impossible de forcer sur plusieurs consoles, même si on peut faire la même. Vive l'enjeu!
Oui, donc il faut savoir aussi que tu l'as laissé à ma quand on fait des jeux comme ça encore. C'est la spécialiste de pique qui connaît. De pique tes munitions. Plus qu'elle plus qu'il bouge en fait elle pique. Voilà, il n'y a pas plus parce que c'est que c'est. Non, pas du tout. Elle a un méchant rictus du Steve, oui c'est vrai. Mais pourquoi tu l'as dit? Voilà, chacun pour sa peau. Le jeu est coop, mais il devrait faire une option chacun pour sa peau. C'est souvent en fait toi qui me dis non, je crois. Ouais, bah oui. On a fait aussi voilà. Vite qu'on a pu. Ouais, je mets la date. Je pas sauver ce combo. Une seule boîte de munitions. Ah, tu te rappelles la tête de mort? C'est qu'il y a quoi dans les alentours? Alors, je crois qu'il fallait tirer dessus. Si, si, il fallait me dire qu'il fallait rentrer dedans. Voilà. Déclassifier. Les rebutions, hein. On remplace les rebuts classiques. J'ai entendu d'autres unités parler des rebuts luisants. Voilà, je croyais que ce n'était que des conneries de soldats. Eh bien, j'avais tort. Bah donc, en fait, la difficulté va être plus grande, mais ça va nous permettre, si tu veux, d'avoir un maximum de points. Ouais. Ouais, il y a des colliers, il y a des plaques. Le convoi avait été anéanti en l'espace de quelques minutes. Je n'avais jamais vu ça. Un arbre. Il y avait la moitié d'une compagnie. Je viens de prendre. Alors, fais gaffe, on m'a dit ça a bougé, tu dois avoir un fusil à toi. Oui, déjà. Ah, les grenades, c'est... Sexuel. S'il te plaît. Pourquoi tu veux pas jouer avec moi? D'habitude, c'est moi qui... Ouais, c'est ça.